Bonjour, je m'appelle Jonathan. J'étudie en modélisation de pièces 3D mécaniques. Dans mon métier, on va apprendre à dessiner et lire des plans. C'est une des choses les plus importantes qu'on va nous enseigner. Alors ici, on a un exemple d'un plan que je vais vous montrer. On a un corps de pompe. On a dû faire le dessin pour la fabrication. Mais ici, on l'a dessiné à l'échelle de 3 quarts égale 1 pouce. C'est-à-dire que la pièce dessinée est 3 quarts plus petite que la pièce réelle. C'est important de connaître les fractions, les mesures. Sur le dessin de fabrication, on va avoir différentes vues, différentes coupes. Ici, on a la pièce coupée en deux pour qu'on puisse voir l'intérieur, les dimensions, les différentes coupes qu'il faut prendre pour fabriquer la pièce. On a aussi un cartouche qu'on appelle où est-ce qu'on va retrouver toutes les informations, les tolérances, l'échelle, qui est ici 3 quarts 1, puis toutes les informations qu'on va avoir besoin pour le dessin, la date, le nom du dessinateur, tout est là. Puis on peut être apporté à faire plusieurs différentes coupes sur le même dessin. Ici, on a une demi-coupe. On pourrait avoir plusieurs vues aussi. Ça peut être une vue de face comme celle-ci. Ça peut être une vue qui montre le derrière ou le côté. Étant donné que ces deux vues-là montrent toute l'information qu'on a besoin, on n'a pas eu besoin d'en rajouter plus.